Donc, bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire Audit Connect consacré à l'audit du processus d'acquisition et de gestion des fournisseurs. Je suis particulièrement ravi de voir l'intérêt suscité par ce thème qui revêt une importance stratégique pour nos organisations, indépendamment des secteurs, mais principalement dans le secteur de l'industrie de fabrication. Donc, on a eu des inscriptions dans plusieurs pays et c'est pour ça que je vous dis, je suis ravi de voir cet intérêt-là. Notamment, on a le Cameroun qui est représenté, le Niger, le Bénin, le Congo, le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Niger, le Togo, la Corée du Sud même, le Congo et le Congo RDC, la RCA et le Tchad que j'ai recensé comme pays inscrit ou représenté à ce webinaire. Donc, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pays représentés à ce webinaire et les participants venant des secteurs d'activité divers. On a recensé des inscriptions dans le secteur bancaire, dans les cabinets, les Big Four, dans le secteur des assurances, de l'éducation même avec les universités, les hôtels, l'industrie, principalement l'industrie brassicole et des produits alimentaires. On a beaucoup d'entreprises publiques et parapubliques. On a des inscrits dans le secteur pétrolier et beaucoup d'inscrits également dans le secteur des services. Donc, voilà globalement les différents secteurs d'activité qui ont été enregistrés pour ce webinaire. Donc, je vous en prie, hein, vous pouvez vous manifester dans le groupe Audit Connect parce que c'est la plateforme à partir de laquelle les échanges directs par rapport au webinaire se déroulent. Ça veut dire que tout au long de la présentation, si vous avez des questions, il faut les noter dans Audit Connect. Vous les notez au fur et à mesure qu'on avance dans Audit Connect. Et à la fin, on prendra le temps, soit en direct, si ce n'est pas trop long, soit dans le groupe de répondre. Mais vous serez surpris de voir que des gens ont déjà commencé à vous apporter des éléments de réponse. Donc, profitez du cadre qui est créé dans le groupe. Donc, pour notez les questions, posez vos questions et interagissez avec l'administration de IPE qui organise ce webinaire Audit Connect. Donc, l'acquisition et la gestion des fournisseurs jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement des activités de plusieurs entreprises. Et je mets un accent particulier sur le secteur industriel parce que c'est un processus des plus critiques, pour ne pas dire l'un des processus faisant partie du cœur de l'activité. Donc, les fournisseurs sont des partenaires clés qui fournissent, comme leur nom l'indique, les biens et services nécessaires à notre entreprise, à votre entreprise. Conséquence, il est essentiel d'établir des procédures solides pour sélectionner les bons fournisseurs, négocier des contrats avantageux et assurer un suivi efficace de leur performance. Mais malgré l'importance de ce process, on se rend compte donc qu'il existe une certaine négligence de la part des organisations et parfois une certaine incompréhension de ces organisations qui ne prennent pas la pleine mesure des risques potentiels
liés à ce process, tels que les risques liés à la non-conformité réglementaire pour ceux qui sont dans des secteurs fortement régulés, ou bien les entités publiques qui sont beaucoup encadrées par les lois, les risques liés à la dépendance excessive à un fournisseur, et même des risques liés au contrat, à l'élaboration des contrats, parce qu'on a des contrats qui peuvent être déséquilibrés. On a des risques liés au retard de livraison, des problèmes de qualité, etc., etc. Donc, il y a toute une partie qui va traiter des risques. Mais ces risques-là peuvent, dans la plupart des cas, ou dans certains secteurs d'activité, entraîner des perturbations opérationnelles, des coûts supplémentaires pour l'entreprise et même ternir l'image et la réputation. Ou plus grave encore, hein, mener à l'interruption d'activité. Parce que si on est dans le secteur de la fabrication, un problème grave au niveau des approvisionnements peut complètement nuire à la capacité de l'entreprise à continuer normalement son activité pendant un temps. C'est pourquoi, en tant qu'auditeur, nous avons un rôle essentiel à jouer. Notre mission, c'est véritablement d'évaluer les procédures de sélection, les contrats et le suivi des performances des fournisseurs afin de renforcer la transparence, la conformité et même l'efficacité de toutes les étapes de ces processus-là. Donc, au cours de ce webinaire, qui est, on va dire, le premier d'une longue série pour ce deuxième semestre qui s'annonce, nous allons explorer en détail les différents aspects de l'audit du processus d'acquisition et de gestion des fournisseurs. Nous allons examiner les objectifs d'un tel audit, les risques associés à ce process que l'audit doit aider à maîtriser, les dispositifs de contrôle existants qu'il faut examiner et également quelques étapes ou quelques tests nécessaires pour mener à bien cette mission d'audit interne. L'objectif étant que l'audit apporte une véritable valeur ajoutée à l'organisation. OK? Donc, ce thème a été choisi à la suite des problématiques soulevées dans les différents groupes que nous avons créés, notamment le groupe Audit Connect, dont l'objectif ultime, c'est véritablement de contribuer à vous doter des compétences nécessaires pour réussir des audits dans ce domaine qui est sensible et crucial pour les entreprises. Donc, à la fin, vous devrez être en mesure de comprendre principalement les enjeux liés à l'acquisition, à la gestion des fournisseurs, les notions de risque associées à ce process, les contrôles internes qui devraient être évalués par rapport à ce process, et surtout être capable de percevoir quelques tests et vérifications appropriées à faire par l'auditeur interne. Donc, comme je l'ai dit, je vous invite à poser vos questions dans le groupe Audit Connect au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais il est intéressant toujours de ne pas poser les questions dès le début parce que les questions posées au début peuvent trouver leur réponse au fur et à mesure que nous avançons. Donc, les webinaires Audit Connect sont organisés depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui. Et si vous nous suivez dans les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, vous devrez avoir déjà pu avoir des enregistrements de certains webinaires. Mais nous les organisons en partenariat avec les organisations que vous voyez là, l'AICRP, l'Institut du contrôle interne du Cameroun, dont je suis le président, SIACA. Donc, je suis l'un des membres fondateurs et vice-président du conseil d'administration et GECB, qui est un organisme de certification
au même titre que l'Institut du contrôle interne basé aux États-Unis, que IPE représente au niveau du Cameroun et de l'Afrique francophone. Donc voilà, en guise d'introduction, ma présentation pour ceux qui participent à ce type d'événement pour la première fois, je suis Eric Kaminyefom, beaucoup plus connu dans le monde des certifications parce que avec IPE fondé en 2014, nous avons accompagné pas mal de candidats à l'échelle africaine dans la préparation des certifications internationales. Donc, je suis intéressé, fortement intéressé par tout ce qui est audit, gouvernance, risque et contrôle interne. Raison pour laquelle voilà, j'ai fait beaucoup de certifications dans ce domaine, tel que vous le voyez actuellement à l'écran. Donc, je suis président de l'Institut du contrôle interne du Cameroun, qui est la représentation de l'Institut du contrôle interne au niveau local et qui délivre la certification des contrôleurs internes, le CICS, bien qu'il y ait également le CICRP et le CICA, toujours dans le domaine du contrôle interne, qui sont délivrés par GECB. Voilà brièvement pour ma présentation. Je l'ai déjà dit, nous avons mis en place une association au niveau du Cameroun pour les professionnels de l'audit et du contrôle interne, qui est appelée SIACA, qui est partenaire stratégique de IPE. Et l'AICRP, c'est une organisation à l'échelle du continent africain qui vise à fédérer les professionnels de l'audit, risque, contrôle et conformité. Brièvement, voilà ma présentation. Donc, on va aller tout droit au but, mais avant cela, je vous présente quelques certifications qui sont intéressantes, que je considère comme intéressantes pour vous, d'envisager faire ou maîtriser davantage les problématiques d'audit interne, de contrôle interne et surtout pour ce qui concerne ce thème, les problématiques de supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous avez le CIA, qui est une certification largement reconnue, que nous formons, Certified Internal Auditor, qui est délivré par l'IIA. Vous avez le CCA, Certified Specialist in Internal Audit, qui est une certification d'entrée dans le métier de l'audit interne ou une certification pour ceux qui veulent rapidement devenir opérationnels en audit interne. Quand je parle d'opérationnel, c'est être capable de prendre en main l'exécution d'une mission d'audit de bout en bout. Dans le CCA, à la différence du CIA qui est quand même assez vaste et avec trois examens, c'est un parcours qui peut être considéré comme long, mais beaucoup plus complet. Le CCA est direct par rapport à la prise de poste en audit interne. Il y a également le CENIA qui concerne ceux qui ont de l'expérience dans le domaine de l'audit. Parce que le CCA, que vous ayez de l'expérience ou pas, vous pouvez passer. Le CENIA, il faut avoir un certain nombre d'expériences. Parce que c'est destiné à ceux qui occupent ou vont occuper des postes importants dans le domaine de l'audit interne. Donc, ces certifications sont délivrées par GECB et le CIA, qui est la plus reconnue et la plus largement reconnue dans le monde, hein, parce que ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, est délivré par l'Institut des auditeurs internes. Vous avez dans le domaine du contrôle interne le CICS, spécialiste certifié du contrôle interne, qui est délivré par l'Institut du contrôle interne, notre partenaire. Et comme je le disais, vous avez le CICRP, professionnel certifié dans le contrôle interne et les risques, et le CICA, évaluateur certifié dans le contrôle interne, qui sont délivrés par GECB également dans le domaine du contrôle interne. Et deux certifications qui sont fortement demandées dans la problématique de chaîne d'approvisionnement, c'est le CSCP, Certified Supply Chain Professional,
et le CSCM, Certified Supply Chain Manager. La thématique que nous abordons ici constitue un chapitre, on va dire un chapitre du CSCP. Donc, c'est juste un aspect du CSCP que nous avons développé pour apporter une valeur ajoutée à tous les participants de ce séminaire. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le programme de certification, le numéro du service client de IPE est là et l'adresse e-mail également. Donc, on va commencer par présenter l'importance de l'audit du processus de gestion des fournisseurs. Parce que selon l'analyse que nous avons faite des inscrits, il y a des gens qui n'ont pas vraiment une expérience dans ce domaine. Donc, la première des choses, c'est de comprendre que ce process a une longue histoire et une importance vitale pour la performance organisationnelle et même la continuité d'activité de certaines entreprises, indépendamment d'autres considérations qu'on verra plus tard. En Afrique, par exemple, nous avons plusieurs secteurs d'activité qui coexistent. Et dans un secteur, le processus d'acquisition et de gestion des fournisseurs peut être plus sensible que dans un autre secteur pour lequel ce process est considéré juste comme un process de support. Donc, l'acquisition et la gestion des fournisseurs a évolué au fil du temps pour devenir vraiment stratégique, un processus stratégique pour l'ensemble des organisations de manière générale, mais de manière spécifique pour les organisations du secteur industriel dans le domaine de la fabrication. On en a beaucoup dans nos pays, que ce soit les multinationales ou quelques entreprises industrielles qui se débrouillent. Okay. À l'époque, ce process était considéré davantage comme une tâche administrative. Mais aujourd'hui, ça gagne en importance en raison des facteurs qui sont listés là, notamment la mondialisation des échanges avec l'ouverture des marchés, ce qui entraîne une augmentation du nombre de fournisseurs potentiels à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez faire recours ou vous appuyez sur des fournisseurs qui sont géographiquement dispersés, ce qui vous offre, voilà, un large choix. Okay? Il y a la complexité des chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, plus que jamais, avec cette mondialisation qu'on vient d'évoquer, les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus complexes, ce qui implique plusieurs intervenants dans la chaîne, plusieurs fournisseurs, plusieurs sous-traitants qui sont parfois interconnectés. Et la gestion efficace de ces relations est donc essentielle pour garantir la disponibilité des ressources dont votre entreprise a besoin. L'autre élément, c'est les risques. Les risques et les problématiques de réglementation. On a les risques liés à la qualité, à la fraude même, à la conformité réglementaire, à la sécurité des données dans ce processus et même des risques environnementaux, des problèmes environnementaux qui peuvent survenir et menacer l'atteinte des objectifs de ce process. Donc, ces risques-là sont devenus des préoccupations majeures pour les organisations. Donc, la sélection et la gestion rigoureuse des fournisseurs sont des éléments nécessaires pour minimiser ces risques tels qu'on va le voir par la suite. Par exemple, si on prend le secteur industriel, ce process, comme je l'ai dit, revêt une importance particulière. Pour ces raisons-là, les quatre raisons qui sont évoquées. La première, l'approvisionnement en matières premières. Si vous êtes par exemple dans le secteur brassicole, ou le secteur de la téléphonie mobile, je dis n'importe quoi. Bon, là, c'est les services, le secteur de la production alimentaire et autres, de manière générale. Ces industries manufacturières-là dépendent
de l'approvisionnement en matières premières de qualité et même en quantité suffisante pour maintenir leur production. Donc, sélectionner de manière rigoureuse des fournisseurs et gérer la chaîne d'approvisionnement sont essentiels pour garantir même la continuité de leurs activités. Okay? Maintenant, concernant la qualité des composants et des produits finis, les fournisseurs jouent de plus en plus un rôle crucial dans la qualité des composants utilisés dans la production de ces secteurs d'activité. On est dans le secteur industriel. Donc, des contrôles stricts doivent être mis en place pour s'assurer que les fournisseurs respectent les normes de qualité requises. On a des considérations de coût et d'efficacité parce que dans ce secteur, compte tenu du pouvoir que les fournisseurs ont d'influencer, n'est-ce pas, la qualité des produits finis de ces entreprises, ils peuvent donc influencer également les coûts de production et même la rentabilité globale de l'entreprise. Par conséquent, la négociation des contrats avantageux et même la gestion des performances fournisseurs sont des mesures de contrôle qui peuvent être déterminantes pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle dans ce secteur d'activité. On a l'innovation et la collaboration, parce que les fournisseurs peuvent également apporter une valeur ajoutée en termes d'innovation, en termes même de recherche et de développement, en termes de collaboration dans l'amélioration continue des produits et des process. Parce que quand on parle de fournisseurs ici, il y a deux catégories de fournisseurs. Il y a des fournisseurs de produits et des fournisseurs de services, notamment les prestations intellectuelles. Donc, compréhension du processus d'acquisition et de gestion des fournisseurs. Ça veut dire que pour réussir un audit de ce process, il faut d'abord comprendre le process en lui-même. Et pour comprendre le process, il y a quelques termes dont on doit se rassurer qu'on est au même niveau de compréhension. Notamment, c'est quoi un fournisseur? C'est quoi un fournisseur? Le fournisseur, en fait, c'est une entité externe à votre entreprise qui fournit des biens ou des services ou même des ressources nécessaires à vos activités. Donc, c'est des entités externes. Ça peut être des entreprises, généralement appelées les sous-traitants, ça peut être même des consultants ou toute autre partie avec laquelle vous établissez une relation d'approvisionnement. L'autre terme clé à comprendre, c'est processus d'acquisition et de gestion des fournisseurs. En fait, il s'agit de quoi? C'est l'ensemble des étapes et même des activités pour identifier, pour sélectionner, pour évaluer, pour contractualiser, pour gérer et même pour surveiller les fournisseurs tout au long de la relation commerciale avec votre entreprise. C'est pour ça qu'on parle d'un processus. Et quand on dit l'auditeur doit évaluer le processus, c'est en fait évaluer toutes ces étapes. La sélection des fournisseurs, c'est également un processus. Là, il s'agit peut-être pour l'auditeur d'évaluer les fournisseurs potentiels, ou bien pour l'entreprise surtout, d'évaluer les fournisseurs potentiels en fonction des critères spécifiques. C'est-à-dire que la sélection des fournisseurs se base sur des indicateurs et des critères prédéfinis en interne, qui peuvent être des critères liés à la qualité, les coûts, la capacité d'approvisionnement ou de production, la réputation même du fournisseur ou la conformité du fournisseur à certaines normes, notamment ISO et autres. Donc, c'est des indicateurs qui nous permettent donc de sélectionner ou de choisir les fournisseurs qui répondent le mieux à nos besoins. Et une autre notion clé que nous allons aborder, c'est le contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est un accord formel et même légal entre votre organisation et le fournisseur. C'est très important.
C'est très important dans ce process. Okay? Parce que dans le contrat, on va voir les droits, les responsabilités des uns et des autres, les conditions dans lesquelles la prestation est accordée et réalisée, les termes de paiement, les garanties, les clauses de performance, etc., etc. Tout ce qui est accord entre les deux parties. Il y a également un thème important qu'on va détailler tout à l'heure, le suivi des performances d'un fournisseur. Et c'est l'une des étapes clés de ce process. Okay? L'entreprise a l'obligation de surveiller de manière régulière les fournisseurs pour évaluer donc leur conformité aux termes du contrat dont on vient de parler. Pour évaluer leur performance en termes de qualité, délai de livraison, respect des normes et même leur capacité à répondre aux exigences de votre organisation. Et, bien entendu, vous ne pouvez pas auditer un process aussi important pour ne pas parler des process de manière générale sans comprendre ce que c'est qu'un risque. Parce que l'audit est orienté risque. Okay? Et les risques liés aux fournisseurs sont les menaces potentielles auxquelles votre organisation est exposée en raison peut-être de la dépendance que vous avez à un fournisseur, peut-être par rapport aux problèmes de qualité, les risques peuvent être liés à la qualité, les retards de livraison, les problèmes financiers, vous n'arrivez même pas à payer. De la non-conformité par rapport aux exigences du contrat, etc., etc. Donc, une bonne évaluation des risques va vous permettre d'identifier et de gérer ces risques de manière proactive. Et le dernier concept que j'ai tenu à ce qu'on définisse, c'est le contrôle interne ou le contrôle de manière générale. Parce que qui dit risque dit mesure pour maîtriser, pour prévenir, pour détecter ou pour corriger le risque lorsqu'il survient. Si vous identifiez, vous évaluez les risques et qu'il n'y a pas de dispositif de contrôle pour maîtriser ces risques, c'est un problème. Donc, les contrôles internes, c'est les politiques, c'est les procédures, c'est des mécanismes divers ou des activités diverses mises en place au sein de votre entreprise pour garantir ou pour s'assurer de la conformité aux règles, minimiser les risques et même s'assurer de l'efficacité opérationnelle et de la fiabilité de toutes les informations qui seront traitées dans ce process. Donc, c'est très important parce que cette terminologie-là résume pratiquement tout ce que nous allons découvrir par la suite. Donc, en résumé, quels sont les objectifs de ce process d'acquisition et de gestion des fournisseurs? Premièrement, sélectionner les fournisseurs appropriés. C'est vraiment l'un des objectifs principaux de ce process. Sélectionner les fournisseurs qui répondent le mieux aux besoins de votre organisation en termes de qualité, coût, délai et même de capacité de production, réputation et autres. Donc, une sélection appropriée garantit pratiquement, entre guillemets, que vous travaillez avec des partenaires fiables et compétents. Okay. Garantir la qualité des biens et des services, également un objectif essentiel. C'est-à-dire que vous devez vous assurer que les fournisseurs fournissent des biens et services de qualité qui répondent aux normes que vous avez vous-même établies ou d'autres normes, ou même aux exigences propres à votre organisation ou à votre secteur d'activité. Et cela passe par la définition des critères de qualité clairs, okay? D'établir des processus de contrôle qualité clairs et de collaborer avec les fournisseurs pour améliorer continuellement la qualité des produits qu'ils vont vous livrer. Il y a la réduction des coûts et la maximisation de la valeur. Ce processus d'acquisition et de gestion des fournisseurs vise également à obtenir les biens et services nécessaires au meilleur coût possible
mais sans compromettre la qualité. Parce que beaucoup d'organisations se focalisent sur la réduction des coûts sans considérer l'incidence potentielle sur la qualité des produits finalement reçus. Et cela devrait pouvoir vous permettre de négocier des contrats avantageux, d'optimiser par exemple les volumes d'achat. Parce qu'on peut réduire les coûts en commandant également en grande quantité, d'identifier les fournisseurs qui offrent le meilleur rapport qualité-prix, okay, et rechercher également des opportunités d'économie à travers une bonne gestion de la chaîne d'approvisionnement. C'est pour ça que j'ai tenu à présenter ces programmes de certification, notamment celles qui portent sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Parce qu'il est important de comprendre que les économies de coûts peuvent être réalisées en maîtrisant toutes les étapes de la gestion de la supply chain. Assurer également la conformité réglementaire. Donc, il est crucial, non seulement que l'entreprise que vous êtes, ou bien votre entreprise, s'assure d'être conforme à la loi, mais également que les fournisseurs qui travaillent avec vous respectent les réglementations en vigueur dans votre secteur d'activité. Donc, l'objectif de ce process également, c'est de s'assurer que les fournisseurs respectent les lois, les normes, les réglementations environnementales, les exigences en matière de santé, de sécurité, les politiques et les procédures internes même à votre organisation qui doivent être précisées dans les contrats que vous signez avec eux. Et l'autre objectif clé, c'est la gestion des risques, la bonne gestion des risques. Parce que ce process vise à identifier, évaluer, gérer les risques associés aux fournisseurs. On a cité quelques risques tout à l'heure et on va revenir là-dessus. Les risques liés à la qualité, retard des livraisons, non-conformité et autres, et même la réputation. Le dernier point, c'est favoriser l'innovation et la collaboration, parce qu'on l'a dit que ce process peut également être un moyen pour votre entreprise de stimuler l'innovation et d'encourager la collaboration avec les fournisseurs. Ça passe par l'identification des fournisseurs innovants. Ça veut dire que l'innovation des fournisseurs peut également être considéré comme un critère de sélection. Dès que vous avez un fournisseur innovant, vous établissez des partenariats solides avec eux et là, vous pouvez bénéficier de nouvelles idées, de technologies avancées même, d'amélioration continue, parce que qui dit innovation dit amélioration continue et même d'une relation à long terme qui soit mutuellement bénéfique du point de vue technologique surtout. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire comprendre les objectifs de ce processus. Ces objectifs ne sont pas exhaustifs, mais ça vous donne déjà une vue d'ensemble des principaux objectifs poursuivis par toutes les entreprises ou la plupart des entreprises, surtout dans ce domaine qui concerne les fournisseurs ou les relations avec les fournisseurs. Maintenant, l'autre étape très importante qui considérée comme des préliminaires à la mission d'audit, c'est de décrire les différentes étapes du process. Si dans votre entreprise, il y a une cartographie des process, c'est une très bonne chose. Si ça a été bien élaboré, c'est une excellente chose. OK? Mais il faut comprendre que c'est un processus qui comporte plusieurs étapes. Et chaque étape implique des activités spécifiques. Et voilà les principales étapes, du processus qu'on peut peut-être illustrer avec des exemples dans le domaine de la fabrication, puisqu'on a dit que c'est dans ce domaine que ce process que nous allons voir comment auditer est des plus sensibles. La première étape, c'est d'identifier les besoins et
évaluer les fournisseurs potentiels. Là, c'est la première étape du processus d'acquisition et sélection des fournisseurs. Donc, identifier les besoins de l'entreprise, bien entendu, et évaluer les fournisseurs potentiels. Les besoins ici, ça peut être les besoins en matières premières. Ça peut être les besoins en composants. Ça peut être les besoins en services, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont nécessaires ou indispensables à la production. Et là, une fois qu'on a nos besoins, il faut donc rechercher, évaluer les fournisseurs potentiels qui répondent à ces besoins. Par exemple, si vous êtes dans le secteur de la fabrication automobile, lors du développement d'un nouveau modèle de voiture, l'équipe de la supply chain, des appros, va identifier les composantes spécifiques qui sont nécessaires pour développer ce nouveau modèle, notamment le moteur, les systèmes de freinage, les sièges, etc., etc., et va rechercher des fournisseurs capables de fournir ces composants-là selon les exigences de qualité et de coût qui sont prédéfinies. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est donc la sélection des fournisseurs. On va évaluer les fournisseurs potentiels qui ont été recensés en fonction des critères prédéfinis. Et les critères, on va les voir au fur et à mesure, mais c'est ni plus ni moins la qualité, les coûts, les délais de livraison, les capacités de production même du fournisseur en fonction des besoins réels de votre entreprise, la conformité réglementaire et bien d'autres en fonction des spécificités des entreprises. Okay? Donc, on va sélectionner les fournisseurs, on va les évaluer, on va comparer les offres, mener des négociations et identifier les fournisseurs les plus adaptés. Okay? Donc, choisir les fournisseurs peut-être de composants qui répondent ou répondre le mieux aux besoins de l'entreprise qui ont été préalablement identifiés. Okay? Et on a vu les critères qui peuvent permettre de sélectionner. Capacité de production, certification ISO même. Si un fournisseur est certifié ISO 9001, ça peut être un atout, surtout si ça a été exigé dans les critères. Les prix compétitifs. La réputation du fournisseur. On va analyser tout cela avant de prendre une décision finale. Mais une fois que la décision finale est prise, on va donc établir les contrats, le contrat de partenariat. Et on va définir les termes et conditions dans le contrat, notamment en termes de prix, de quantité, de délai, d'exigence de qualité et même d'autres clauses de performance. Et surtout également les droits et les responsabilités de chacune des deux parties. Une fois qu'on a le contrat, parce que la plupart des entreprises ont un contrat qui est déjà prédéfini, mais en fonction de la nature de l'approvisionnement, on peut négocier et finaliser donc le contrat avec le fournisseur sélectionné. Okay? Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la fabrication alimentaire, lors de l'établissement du contrat avec un fournisseur de matières premières, l'entreprise va négocier les volumes de livraison, les prix qui peuvent être basés, hein, sur les fluctuations du marché, les exigences de qualité, hein, même les tests. Parce qu'on peut demander à tester les produits même avant que vous les livriez. Les tests de sécurité alimentaire, les conditions de paiement, etc., etc. Et ensuite, la prochaine étape, c'est la gestion de la relation. Là, on suppose que le fournisseur a déjà livré et l'entreprise doit avoir mis en place des mécanismes de suivi régulier des performances de chaque fournisseur ou des fournisseurs de manière générale. Okay. Et le suivi des performances des fournisseurs va de la gestion des commandes, les livraisons, les factures jusqu'au paiement. Parce qu'un fournisseur peut vous livrer, mais vous n'honorez pas votre part du contrat qui est de le payer à temps.
Donc, il faut collaborer avec les fournisseurs pour résoudre les problèmes éventuels et voir dans quelle mesure l'accompagner dans l'amélioration de la qualité des prochaines livraisons et même son efficacité en termes de délai ou autre. Okay. Ensuite, la dernière étape qui est évoquée là, sans être vraiment exhaustive, c'est l'évaluation continue des fournisseurs. Et c'est à ce niveau que l'audit intervient beaucoup plus. Il faut réaliser des évaluations régulières des fournisseurs, surtout dans ce domaine qui est très sensible, les industries, et peut-être moins régulier dans d'autres domaines, pour mesurer leur performance, leur conformité aux exigences contractuelles. Et pour les évaluer, il faudrait qu'au préalable, qu'on ait mis en place des KPI, qui sont des indicateurs clés de performance. Okay? La qualité, les délais, les coûts et tout. Et ensuite, on va donc prendre des mesures correctives lorsque c'est nécessaire pour combler le gap s'il y a des écarts de performance ou s'il y a des non-conformités. Et l'évaluation sera périodique, va réévaluer périodiquement. OK? Parce qu'il est important de comprendre que lorsque le processus est sensible, ou plus le processus est sensible pour votre entreprise, plus l'évaluation continue peut être récurrente. OK? Et il peut y avoir plusieurs niveaux d'évaluation. Évaluation, l'auto-évaluation au niveau des entités ou des tâches dans le process. Et l'évaluation périodique qui est faite par les auditeurs internes, sans négliger le travail que les contrôleurs internes feront si vous avez une fonction de contrôle interne au sein de l'entreprise. Cette étape de compréhension des différentes étapes du process bien réalisée, on peut donc évaluer les risques liés à ce processus ou bien à chaque étape du processus d'acquisition et de gestion des fournisseurs. Donc, c'est l'une des étapes clés, surtout pour nous en tant qu'auditeurs, parce que là, on va comprendre l'identification des risques potentiels associés à chaque étape du processus, en prenant à chaque fois, n'est-ce pas, le soin de comprendre ces risques-là, de les apprécier et de savoir leur niveau de criticité. Prenons l'exemple de notre société de production, disons des pâtes alimentaires. Okay? L'un des risques à identifier, parce qu'il y a plusieurs phases, hein, les risques doivent être identifiés pour chaque étape, n'est-ce pas, du processus que nous voulons évaluer. La première étape, qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'identification des besoins et l'évaluation des fournisseurs potentiels. Et l'un des risques, ça peut être la dépendance excessive à un fournisseur unique, qui peut être un fournisseur d'ingrédients clés. Par exemple, la farine, si on fait dans les pâtes alimentaires, ou les œufs, okay, qui sont des intrants déterminants. Et si ces risques-là surviennent, ça peut entraîner des problèmes d'approvisionnement en cas de rupture de stock ou de variation même dans la qualité du produit fini. Donc, on va identifier le risque et déterminer sa probabilité et l'impact. Un autre risque s'appelle le manque de diversification des fournisseurs, le fait de dépendre totalement ou en majorité à quelques fournisseurs, dépendre de quelques fournisseurs. Ça peut rendre votre entreprise vulnérable aux fluctuations des prix et aux problèmes de qualité même. Et il y a ce qu'on appelle le pouvoir de négociation des fournisseurs. À un moment donné, quand vous dépendez totalement d'un fournisseur, vous êtes vulnérable. S'il refuse de vous livrer, vous êtes complètement mal barré. OK? Par exemple, si vous êtes dans des sociétés de services, puisqu'il y a des participants qui sont dans des sociétés de services, vous pouvez dépendre de manière excessive, hein, à un fournisseur de services critiques, notamment un fournisseur d'infrastructures informatiques, le fournisseur de votre logiciel, là, okay,
Vous pouvez être dépendant de lui, ce qui pourrait entraîner des interruptions majeures en cas de défaillance du fournisseur. Ça veut dire que si à son niveau, il y a une défaillance, alors votre activité est complètement à terre. Vous pouvez avoir des problèmes d'insuffisance de fournisseurs potentiels pour répondre aux besoins de votre entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de fournisseurs. Vous lancez même un appel d'offres, il y a une ou deux personnes ou une ou deux entreprises qui postulent. Ce qui limite forcément les options disponibles et naturellement accroît le pouvoir de négociation de ces fournisseurs et peut même entraîner des retards dans la mise en place des services essentiels. Parce que là, vous n'avez pas beaucoup de choix. La deuxième phase de ce process, c'est la sélection des fournisseurs. Et un risque clé, ça peut être de sélectionner des fournisseurs qui ne respectent pas les normes de sécurité ou des exigences réglementaires. Ça peut mettre en danger la qualité et même la sécurité des produits finis. L'autre risque, ça peut être le choix de fournisseurs dont les capacités de production ne sont pas adaptées au volume dont vous avez besoin. C'est pour ça que l'audit des fournisseurs peut être un préalable dans certains cas. Tout dépend de l'ampleur et de l'importance accordée à ce process. Parce que s'il n'a pas la capacité de production nécessaire pour vous livrer, alors vous ferez face au retard de livraison et ou même vous serez incapable de répondre, n'est-ce pas, aux besoins de vos clients. Et lui, il est incapable de répondre à votre demande. Et vous serez incapable donc de répondre aux besoins de vos clients. Si on revient dans le cas de la société de services, sélectionner les fournisseurs qui ne répondent pas aux normes de compétences et de fiabilité, c'est par exemple prendre un fournisseur juste parce que vous l'avez vu sur Internet, vous avez vu son logiciel qui semble très bon. Vous avez vu sur son site quelques petits témoignages et vous avez appris même qu'un concurrent a commandé ou vous avez vu peut-être les logos des entreprises qui lui font confiance et vous allez commander sans prendre le soin, n'est-ce pas, de procéder à des analyses détaillées. La troisième étape sur laquelle une identification des risques doit être faite, c'est l'établissement des contrats. Les contrats mal négociés ou incomplets. Vous pouvez mal négocier les contrats. Ou bien le contrat peut ne pas aborder tous les aspects de la prestation. Ce qui peut entraîner naturellement des litiges ou des divergences sur les livrables, sur les spécifications, sur les prix, sur les délais, etc., etc. Il peut manquer dans les contrats les clauses de résiliation ou même des garanties de qualité. S'il vous livre des produits de mauvaise qualité, quelle est la garantie qu'il donne? Okay. Est-ce qu'il y a des clauses qui disent que, voilà, s'il livre et que ce n'est pas bon, si vous ne validez pas, il doit remplacer et dans tel ou tel délai? Donc, ça peut compliquer, s'il n'y a pas cette clause-là, la résolution des problèmes de non-conformité et même des défaillances du fournisseur. L'autre process clé, la gestion de la relation fournisseur. Et le risque s'appelle le manque de suivi régulier des performances. Les performances des fournisseurs en termes de qualité, délai, conformité et autres. Et vous pouvez vous retrouver donc à subir des problèmes opérationnels ou des problèmes de réputation parce que vous n'avez pas suivi la performance des fournisseurs. Lequel suivi sera déterminant dans les renouvellements de contrats plus tard? Il peut y avoir également un manque de communication ou de collaboration avec les fournisseurs. Okay? Ce qui va limiter les opportunités d'amélioration continue et même d'innovation. Tout à l'heure, on a parlé de l'innovation technologique.
vous pouvez profiter, n'est-ce pas, de, dans le cadre de cette relation, des dernières technologies qui sont mises en place chez le fournisseur. Vous pouvez découvrir et l'implémenter également au besoin. On le voit de manière générale, hein, des contrats qui sont mal rédigés, des processus de gestion de la relation fournisseur qui sont complètement inexistants. Et vous comprenez pourquoi certaines entreprises qui ont compris l'importance de mettre en place une fonction même, fonction gestion de la relation fournisseur. L'autre process clé, c'est l'établissement des contrats. C'est un process qui peut être rattaché également à la gestion de la relation fournisseur. Dans l'établissement des contrats, on a la détérioration de la qualité des ingrédients. Ça veut dire que si dans le contrat, les termes ne sont pas clairement indiqués, cela peut avoir une incidence sur votre capacité à réagir plus tard si des produits de non-qualité vous sont livrés. Okay. Il y a des risques de non-conformité réglementaire d'un fournisseur. On l'a dit tout à l'heure, des problèmes de non-conformité juridique, si chez lui-même il ne respecte pas les lois environnementales, les lois dans le domaine industriel, notamment les lois en termes de construction des bâtiments, construction des usines et tout. Forcément, ça aura une incidence sur la qualité des produits qu'il vous livre. Cela pourrait avoir une incidence. Okay. Donc, l'audit des tiers peut être important dans certains secteurs d'activité. Une fois les risques identifiés, l'auditeur va évaluer leur impact et leur probabilité, si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Parce que l'identification des risques et leur évaluation est principalement le rôle du management. Si vous avez une cartographie des risques qui est faite et qui est régulièrement mise à jour, alors vous avez une longueur d'avance. Mais à défaut, vous allez devoir procéder à cette analyse-là de manière approfondie pendant votre mission d'audit ou en préparation à votre mission d'audit. Okay? Donc vous allez évaluer l'impact et la probabilité des risques, notamment à chaque étape. Donc, par exemple, l'étape d'identification des besoins et d'évaluation des fournisseurs potentiels. On a parlé tout à l'heure du risque de dépendance excessive à un fournisseur unique. On peut juger, par exemple, que l'impact est élevé parce que une rupture de stock ou même une variation de la qualité des ingrédients clés peut entraîner l'arrêt de production ou peut entraîner même des pertes financières importantes. Alors, on juge que l'impact sera élevé. Et la probabilité peut être faible ou moyenne parce que l'historique des performances du fournisseur indique que ce risque-là survient très peu. OK? L'historique des livraisons qu'il nous a fait montrent qu'il a une capacité de production importante, ou bien les précédents audits qui ont été faits chez ce fournisseur. Ou bien la probabilité peut être faible ou moyenne parce qu'il y a d'autres fournisseurs, il y a plein de fournisseurs qui sont disponibles et qui peuvent nous livrer le même produit si on les sollicite. Donc il faut utiliser toutes les informations qui sont possibles pour évaluer non seulement l'impact du risque s'il survient, mais également la probabilité qu'il survienne, parce que c'est les deux critères qui sont utilisés pour évaluer le risque. Un autre risque, le manque de diversification des fournisseurs, qui est corrélé à la dépendance excessive. Donc, on peut estimer par exemple que l'impact est modéré. L'impact de ce risque, parce que la dépendance excessive à un seul fournisseur vous rend vulnérable ou peut, n'est-ce pas, rendre l'entreprise vulnérable aux fluctuations des prix. Le gars peut se lever le matin et il décide que l'intrant qu'il vous livrait à 100 francs passe à 200.
ou bien pour générer suffisamment de cash, étant donné qu'il sait qu'il n'y a pas véritablement de concurrence également, il peut dénaturer un peu la qualité ou bien réduire la qualité pour avoir beaucoup plus de marge. Okay? Vous n'aurez pas d'autre choix. Et on peut juger que la probabilité est moyenne ou faible, etc., en fonction de la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements en se basant sur les données historiques ou d'autres données. Quoi qu'il en soit, les critères d'évaluation des risques ou les facteurs pris en compte pour l'évaluation des risques peuvent varier d'une entreprise à l'autre et il y a une dose de subjectivité qui demeure parce que c'est à travers des sessions de brainstorming, de discussions et tout, qu'on peut déterminer si l'impact, si on décide que l'impact est élevé, moyen ou faible. Surtout lorsque les risques ne sont pas évaluables en utilisant des critères purement quantitatifs, comme on le fait dans le secteur financier et bancaire. La prochaine étape, sélection des fournisseurs. Le risque, ça peut être la sélection des fournisseurs non conformes aux normes de sécurité alimentaire ou aux normes à la réglementation. Okay? On peut juger que le risque est élevé, moyen ou faible. Élevé parce qu'une non-conformité réglementaire peut entraîner non seulement des amendes, des poursuites judiciaires, des dommages à la réputation de l'entreprise ou à la santé des consommateurs, mais également le rappel des produits. On se souvient hein, des entreprises qui, à une certaine période, notamment Toyota, si je me souviens bien, a dû rappeler, n'est-ce pas, certains véhicules qui avaient été produits et qui étaient en circulation pendant un certain nombre de temps. Parce qu'il y a eu un incident. Okay? Donc tout cela peut déterminer l'impact élevé et la probabilité faible qui peut dépendre de la rigueur même du processus de sélection qui est en place ou de l'évaluation de la conformité réglementaire du fournisseur lui-même. Ou les contrôles qui sont déjà en place, est-ce que c'est des contrôles qui sont solides ou pas? Donc, ces informations peuvent permettre de déterminer la probabilité que le risque survienne. Un autre risque est le choix de fournisseurs dont les capacités de production ne sont pas adaptées. On l'a dit. Est-ce que l'impact pour votre entreprise est faible, moyen, modéré ou élevé? OK? Est-ce que les retards de livraison ou l'incapacité à répondre à la demande peut entraîner des ruptures de stock, par exemple, dans votre activité? Est-ce que ça peut entraîner des retards de livraison de vos propres produits à vos clients ou même une baisse de la satisfaction de vos clients? Si c'est le cas, vous allez peut-être estimer que l'impact est considéré comme élevé ou modéré. Et la probabilité d'occurrence peut dépendre de l'évaluation qui est faite des capacités de production du fournisseur, de la mise en place des mécanismes de suivi de ses performances, etc., etc. L'autre étape, c'est l'établissement des contrats. L'établissement des contrats. On a vu les risques qui sont identifiés, qui peuvent être identifiés à ce niveau, notamment les contrats mal négociés ou des contrats élaborés de manière incomplète. Et là, le risque peut être soit élevé ou faible ou modéré en fonction de l'importance que vous accordez ou de l'incidence, n'est-ce pas, des litiges ou des divergences sur les termes et conditions contractuelles. Quel coût est-ce que ça peut générer pour vous? Est-ce que ça peut générer des coûts juridiques avec les poursuites judiciaires et autres? Est-ce que ça peut générer des coûts liés au retard de livraison? Est-ce que ça peut générer d'autres formes de coûts qui sont liés aux problèmes de relation avec votre fournisseur? Ou même des coûts liés à la réputation qui sera ternie? Donc, en fonction de tout cela, est-ce que l'impact, vous maintenez ça comme élevé, faible
ou modéré. Et la probabilité également. Parce que la probabilité dépend de la compétence et de l'expérience de vos négociateurs. S'ils ne sont pas compétents ou s'ils n'ont aucune expérience dans la négociation, alors la probabilité que le contrat soit mal négocié est quand même assez élevée. Et ça dépend également de l'attention que votre entreprise porte sur la rédaction et la revue des contrats. S'il n'y a aucun process en place ou un audit, aucun audit qui n'est jamais, c'est-à-dire les audits ne sont jamais faits sur l'adéquation des contrats, sur les critères de négociation des contrats, alors ce risque peut avoir une probabilité de survenance plus élevée. L'absence des clauses de résiliation et ou de garantie de qualité, est-ce que l'impact est modéré, faible ou élevé? Tout dépend. En cas de non-respect des engagements contractuels par le fournisseur, est-ce qu'il est difficile pour vous de résoudre les problèmes ou de mettre fin à la relation contractuelle? Est-ce qu'il y a des contrats dans lesquels vous entrez, mais pour ressortir, vous allez souffrir? Et la probabilité, est-ce qu'elle est faible, élevée? Ça dépend de la vigilance de l'entreprise lors de la rédaction des contrats et de l'inclusion des clauses de résiliation et de garantie dans le contrat, les garanties de qualité. Donc, il est important de bien évaluer l'impact et la probabilité de réalisation des risques en fonction des spécificités de votre entreprise, en fonction du contexte. Le plus important, c'est que l'évaluation doit être faite de manière objective, en se basant sur des données et des informations pertinentes de votre entreprise et le plus possible, hein, en impliquant les parties prenantes concernées. Donc, nous avons identifié les risques liés à chaque étape du processus. Nous avons évalué les risques en termes de probabilité et d'impact. Maintenant, il faut prioriser les risques. Prioriser les risques. Parce que c'est en priorisant les risques qu'on saura précisément quels sont les points d'attention pour l'auditeur. Quels sont les risques sur lesquels l'audit va mettre un accent particulier. Ou quels sont les risques à auditer dans l'immédiat, peut-être. OK? Donc, les critères de priorisation des risques, c'est bien entendu l'impact, tel qu'on l'a vu, pour évaluer l'impact, qui peut être un impact financier. C'est-à-dire que quel est l'impact financier potentiel si le risque se matérialise? Par exemple, une rupture de stock d'un ingrédient clé, ça peut entraîner quoi comme impact? Des pertes financières importantes, par exemple? Des arrêts de production. Okay. Est-ce que cet impact-là est significatif? Donc, on peut classer l'impact en termes financiers et même opérationnels. Au niveau opérationnel, quel est l'impact potentiel sur les opérations de l'entreprise? Par exemple, une non-conformité réglementaire, qu'est-ce que ça peut entraîner au niveau opérationnel? Peut-être des retards dans les livraisons de vos produits ou des problèmes de qualité des produits. Okay? Donc, probabilité et impact. L'impact, on peut le décomposer ou classer cela en plusieurs catégories, financiers, opérationnels ou toute autre forme de classification que vous allez choisir. L'autre critère de priorisation, c'est la probabilité telle qu'on l'a vue. On va évaluer la probabilité que le risque se matérialise. Okay? Par exemple, la probabilité de rupture de stock de cet ingrédient clé dont on parle. Ça dépend de quoi? Ça peut dépendre même de la dépendance que vous avez de ce fournisseur unique. Ça peut dépendre de la stabilité de votre chaîne d'approvisionnement. Okay? Vous allez évaluer la probabilité. Ça peut dépendre de tellement de facteurs. Et vous allez évaluer la fréquence. C'est vrai que les deux termes sont parfois utilisés de manière interchangeable. Mais la fréquence, c'est en fait à quel. Bon,
À quelle fréquence, si vous voulez, à quelle fréquence est-ce que le risque pourrait-il se produire? Parce qu'il y a des risques qui surviennent une fois tous les 5 ans. Il y a des risques qui surviennent tous les 3 mois. Quelle est la fréquence de survenance? OK? Par exemple, la non-conformité réglementaire peut être considérée comme un risque récurrent. Surtout si les fournisseurs ne sont pas correctement évalués et surveillés. Alors, ils peuvent se permettre tellement de choses. Okay? Donc, c'est sur la base des informations que ces décisions-là seront prises. On va prendre un exemple de priorisation des risques. Prenons le risque de rupture de stock d'ingrédients clés en raison de la dépendance à un fournisseur unique. Donc, on a le premier critère qui est l'impact potentiel, qui peut être élevé, comme on vient de le voir. On a la probabilité de réalisation, qui peut être faible, moyen. Okay? Par exemple, si vous dépendez d'un seul fournisseur ou si votre supply chain est vulnérable, on peut considérer que c'est moyen, probabilité. Alors, sur la base de ces deux facteurs, on va donc prioriser. Par exemple, le risque comme élevé. On dit probabilité fois impact. Ça veut dire quoi? Si le risque est priorisé comme élevé, ça veut dire que ce risque doit être examiné en priorité par les auditeurs lorsque vous allez descendre sur le terrain. Parce qu'il présente un impact important et une probabilité significative. Le risque de non-conformité réglementaire des fournisseurs en matière de sécurité alimentaire, comme on l'a vu depuis le début, on peut estimer que l'impact est élevé sur la base de l'analyse des risques. L'impact est élevé, peut-être parce que c'est un risque qui peut avoir un impact sur la santé des consommateurs, qui peut avoir un impact en termes d'amende, les amendes à payer, qui peut avoir un impact en termes de dommages sur la réputation de l'entreprise. On dit impact élevé. Probabilité de réalisation, on peut dire faible. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrôles qualité qui sont menés de manière rigoureuse par l'entreprise. Il y a des mesures de conformité, des normes de conformité qui sont appliquées. Vous êtes peut-être certifié ISO, machin, machin. Et sur cette base, impact élevé, probabilité faible, vous allez classer ce risque-là, comme ayant une priorité moyenne, par exemple. Probabilité élevée, impact faible. Élevé fois faible, ça peut vous donner moyen. OK? Donc, la probabilité est faible en raison des contrôles existants. C'est pour ça que tout à l'heure, on va parler d'apprécier les contrôles qui existent. Donc, il est important de suivre, de renforcer continuellement les contrôles qui existent pour atténuer les risques. Parce que quand on vient évaluer, on tient compte de l'existence des contrôles. L'autre risque, c'est la défaillance du fournisseur en raison des difficultés financières. L'impact peut être considéré comme faible, élevé ou modéré. Disons modéré à cause de l'incidence des retards de livraison, des perturbations des opérations et autres. Et la probabilité, on peut dire faible, okay, parce qu'on a quand même pris le soin d'évaluer la santé financière des fournisseurs avec lesquels on travaille, par exemple. Alors, on classe le niveau de priorité comme étant basse ou faible. Donc, on a un impact qui est modéré et on a une probabilité qui est faible en raison de l'évaluation des fournisseurs qui est faite. Mais comprenez que le risque, on dit le risque n'est pas statique. C'est pour ça qu'il faut continuer à surveiller et à évaluer régulièrement, n'est-ce pas, la santé financière, même des fournisseurs. Sa santé peut être stable aujourd'hui et 1 mois, 2 mois après, ou 2 jours même après, voilà, sa santé se détériore. Peut-être qu'il est même très endetté, qui sait? Donc, on a identifié nos risques, on les a évalués, on les a classés en priorité. Alors,
on va s'intéresser au dispositif de contrôle en place. Quel est le dispositif de contrôle interne en place pour faire face à ces risques-là? Donc, on va analyser les contrôles internes existants. Et pour le faire, il y a une procédure à suivre, bon, une procédure qui est recommandée, qui n'est pas exhaustive, mais qui peut vous aider à le faire de manière efficace. Premièrement, c'est de collecter les informations. Donc, il faut rassembler tout ce qu'il y a comme documents, tout ce qu'il y a comme informations pertinentes sur les procédures, les politiques de gestion des fournisseurs, s'il y en a, les manuels de procédure, les politiques d'approvisionnement, les contrats des fournisseurs, les évaluations de performance, si ça a déjà été réalisé, etc., etc., pour comprendre le mieux possible les mesures de contrôle préventives et détectives qui sont déjà en place. Ensuite, identifier donc ces contrôles existants. Donc, on va passer en revue tous ces documents. On va passer en revue le processus même complet, tel qu'on l'a vu, pour identifier pour chaque étape quels sont les contrôles internes qui sont en place. Est-ce qu'il y a les contrôles liés à l'évaluation des fournisseurs? Et on va décrire un peu ce contrôle. Est-ce qu'il y a les contrôles liés à la qualification des fournisseurs, à la gestion des contrats? Est-ce qu'il y a les contrôles liés au suivi des performances? Est-ce qu'il y a les contrôles même liés aux inspections de qualité qui sont faites, aux audits? Ensuite, on va évaluer donc l'efficacité des contrôles existants. Est-ce que ces contrôles ont été bien conçus et est-ce que ça marche? Et pour le faire, il faut d'abord comprendre quel est l'objectif spécifique de chaque contrôle. Ça veut dire qu'on va prendre chaque contrôle, notamment l'objectif de l'évaluation des fournisseurs. C'est bien entendu de sélectionner des fournisseurs fiables et de qualité. Donc, on va prendre le contrôle et on va identifier quel est son objectif final. Identifier les contrôles, évaluer si ces contrôles-là sont adéquats pour atteindre les objectifs. Si vous ne connaissez pas les objectifs, sur quelle base est-ce que vous allez évaluer? Donc, on a dit, on a un objectif qui est l'objectif de l'évaluation des fournisseurs. C'est l'évaluation des fournisseurs, c'est le contrôle. L'objectif de ce contrôle-là, c'est de sélectionner des fournisseurs fiables et de qualité. Et ensuite, on évalue donc si ces contrôles sont adéquats. On va vérifier les critères d'évaluation des fournisseurs. Est-ce que c'est pertinent? Et les méthodes d'évaluation qui sont utilisées. Est-ce que c'est efficace? Et on va voir également, est-ce que ces contrôles sont mis en œuvre tels que prévu? Est-ce que c'est appliqué de manière cohérente à chaque fois? Est-ce qu'on peut dégager les responsabilités des uns et des autres dans l'application de ces contrôles? Et on va identifier les lacunes. Est-ce qu'il y a des contrôles qui ne sont pas efficaces? Est-ce qu'il y a des contrôles qui manquent? Est-ce qu'il y a des risques même qui ne sont pas suffisamment couverts par les contrôles existants? Okay. Est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels on peut envisager des améliorations pour renforcer les contrôles? Et sur cette base, donc, on va faire des recommandations et naturellement des plans d'action ou un plan d'action. Parce que la recommandation ici, c'est pour améliorer les contrôles existants ou mettre en place de nouveaux contrôles. Et au terme des recommandations, on formule les recommandations, il faut également les prioriser. Prioriser les recommandations en fonction de leur impact potentiel sur la gestion des risques. Et c'est sur la base de cette priorisation-là qu'on va établir le plan d'action. Comment est-ce qu'on va mettre cela en œuvre? On va commencer par quoi? Qui va faire quoi? Les responsabilités? Dans quel délai? Les échéances? Donc, on analyse les contrôles existants et on a donc les risques, on a les contrôles existants, on connaît évaluer, on peut donc sélectionner les risques à auditer. Quels sont les risques à auditer? Donc, sur la base de l'analyse de la criticité qui a été faite, sur la base de l'évaluation
du dispositif de contrôle existant, on va donc sélectionner les risques prioritaires à auditer. Généralement, c'est les risques les plus élevés en termes d'impact et de probabilité. Vous avez déjà vu la matrice des risques. Donc, les risques les plus élevés, probabilité fois impact, et également les risques pour lesquels le dispositif de contrôle actuel sont jugés moins efficaces. Okay? Prenons un exemple. Prenons un exemple simple. Voilà, on revient peut-être sur les risques de tout à l'heure. Le risque de rupture de stock d'ingrédients clés à cause de la dépendance que vous avez, n'est-ce pas, d'un fournisseur. L'analyse de la criticité peut permettre de déterminer que l'impact potentiel est classé comme élevé parce qu'il y a des pertes financières énormes, il y a l'arrêt de production qui peut en résulter. Alors, le dispositif de contrôle existant, on peut dire que les contrôles actuels sont considérés comme moins efficaces à la suite de l'analyse qu'on a faite. Parce que dépendre d'un seul fournisseur rend vulnérable notre chaîne d'approvisionnement. Donc, on a l'analyse de la criticité, on a l'évaluation du dispositif de contrôle existant et on procède dans la sélection pour l'audit. Ce risque en particulier doit être sélectionné pour l'audit parce qu'il représente un impact potentiel important et les contrôles qui existent sont jugés moins efficaces. C'est un déphasage. L'impact est important, mais les contrôles sont inefficaces. Donc, auditer ce risque va permettre d'évaluer les mesures prises pour diversifier les fournisseurs ou pour mettre en place des stratégies d'approvisionnement alternatives pour réduire, n'est-ce pas, la dépendance à ce fournisseur unique, par exemple. OK? On peut avoir le risque de non-conformité réglementaire des fournisseurs en matière de sécurité alimentaire. On procède à la même analyse sur la base des mêmes critères. L'analyse de criticité, okay, l'impact peut être, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'impact peut être classé comme élevé parce qu'il y a un risque sur la santé des consommateurs, il y a un risque d'amende, il y a un risque sur la réputation même de votre entreprise. Alors, l'analyse de criticité indique que c'est élevé. Maintenant, le dispositif de contrôle interne qui existe peut être considéré comme, bon, on peut dire relativement efficace parce qu'il y a des contrôles de qualité qui sont faits et de conformité qui sont solidement implantés au sein de l'entreprise et qui sont faits de manière régulière, par exemple. Alors, au niveau des sélections pour l'audit, est-ce qu'il faut sélectionner oui ou non? On a une criticité considérée comme élevée. On a un dispositif de contrôle interne considéré comme efficace. OK? Donc, les contrôles internes sont jugés efficaces. Et là, est-ce qu'il faut auditer oui ou non? Il peut être important de procéder à l'audit pour évaluer la mise en œuvre et l'efficacité des contrôles chez les fournisseurs même. Pour s'assurer qu'ils sont conformes aux normes réglementaires, parce que là, on parlait de violation de la loi qui peut être à deux niveaux, aussi bien à son niveau qu'à votre niveau. Donc, vous avez le dispositif de contrôle en place, c'est en interne, mais on peut juger quand même qu'il faut, pour savoir si ça marche vraiment, aller quand même, ou bien auditer quand même, le respect de la réglementation auprès de ce fournisseur. Le troisième risque que j'ai pris, c'est le risque de. Donc, on est au niveau de la sélection des risques à auditer. Le troisième risque est la défaillance du fournisseur en raison des difficultés financières. On procède de la même manière, l'analyse de la criticité, qui peut être classée comme faible, modérée. Modérée, on l'a dit tout à l'heure, modérée par rapport au retard de livraison, aux perturbations des opérations que vous allez subir, si le risque survient. Et on évalue également les dispositifs de contrôle qui existent, qui peuvent être considérés comme relativement efficaces, parce que voilà, vous avez évalué la santé financière des fournisseurs et c'est fait de manière régulière.
Maintenant, est-ce qu'il faut sélectionner ce risque-là pour l'audit? Bon, l'impact est modéré, les contrôles sont efficaces. Mais vous pouvez juger qu'il est important de procéder à l'audit pour évaluer la méthode d'évaluation de la santé financière des fournisseurs. Parce que si on dit que leur santé financière est bonne, quelle est la méthode d'évaluation qui a été utilisée? Et pour vous assurer qu'elle est régulièrement mise à jour même. Okay? Parce que c'est en mettant à jour qu'on va identifier les fournisseurs potentiellement à risque. La prochaine étape, donc, c'est les tests. Vous avez déjà sélectionné les risques à auditer. Maintenant, on procède aux tests et aux vérifications spécifiques à effectuer lors de l'audit lui-même. Okay? Et la première étape, c'est d'évaluer les procédures de sélection des fournisseurs. Ça, c'est la première étape dans le process. Procédure de sélection des fournisseurs. Là, on va vérifier l'application des critères de sélection. En fait, l'évaluation des procédures de sélection des fournisseurs au cours de notre audit implique des tests et des vérifications spécifiques pour s'assurer qu'ils sont efficaces, qui sont conformes. Okay? C'est pour ça qu'on va vérifier les critères de sélection, notamment examiner la documentation. On va analyser les politiques, les procédures, les directives de l'organisation concernant la sélection des fournisseurs. Ça peut varier d'une entreprise à l'autre. On va vérifier, est-ce que ces documents qu'on examine là sont à jour? Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est conforme aux exigences réglementaires, etc., etc. Les critères d'évaluation peuvent être déterminés en amont. Maintenant, on évalue les critères de sélection des fournisseurs. On va vérifier, est-ce qu'il y a des critères clairs, objectifs pour sélectionner des fournisseurs? Notamment, est-ce qu'il y a des critères tels que les capacités techniques du fournisseur, la qualité des produits livrés, les certifications, notamment ISO ou autres, les performances passées du fournisseur dans l'historique, les coûts, est-ce que c'est un fournisseur qui nous livre des bons produits, toujours à moindre coût, etc., etc. On va donc évaluer ces critères pour voir est-ce que c'est des critères pertinents, est-ce que c'est des critères appropriés pour répondre véritablement aux besoins de l'entreprise. On va analyser les procédures de sélection. On a examiné, on a évalué, on analyse en étudiant notamment les étapes du processus de sélection des fournisseurs. Depuis la première recherche, qui est la recherche initiale, jusqu'à la finalisation des contrats. OK? Et on va vérifier si les étapes sont suivies de manière cohérente et si les responsabilités sont définies telles qu'on l'a dit plus haut. Ensuite, on va vérifier la documentation des fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs potentiels sont obligés par l'entreprise de fournir des documents, notamment les certificats, les licences et autres, ou bien les rapports d'audit interne de chez eux, ou des références? Est-ce qu'on a le moyen de vérifier que ces références sont correctes? Parce que tout le monde peut dire que j'ai déjà travaillé avec la Banque mondiale. On va analyser si ces documents sont correctement évalués, si ces documents sont correctement enregistrés avant de prendre la décision finale. Vérifier les processus de qualification des fournisseurs. Comment est-ce que les fournisseurs sont évalués et qualifiés avant même d'être sélectionnés? Donc, je disais avant que la coupure n'intervienne, il faut vérifier le processus de. Faut vérifier la documentation d'abord. On a vu la procédure de sélection. Vérifier la documentation des fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs potentiels sont obligés par l'entreprise de tenir ou de fournir des documents, on a parlé des certificats, des licences, des références et autres.
Il faut analyser ces documents pour savoir est-ce que c'est correctement tenu, est-ce que c'est fiable, etc., etc. Vérifier les processus de qualification des fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs sont véritablement qualifiés? Évaluer comment les fournisseurs sont évalués et qualifiés avant d'être sélectionnés. Quel est le process qui est mis en place jusqu'à la sélection finale du fournisseur? Dans beaucoup d'entreprises, il y a un comité qui est chargé de faire cela. Okay? Et on a parlé là des évaluations sur site. Tout dépend de l'importance de la prestation. Parce qu'on peut vérifier même les installations du fournisseur, les capacités de production telles qu'on l'a vu. Okay? Vérifier les dossiers de sélection des fournisseurs. Il faut examiner les dossiers pour s'assurer qu'ils ont tous les documents requis et que toutes les étapes de l'évaluation ont été faites. Toutes les étapes ont été faites avant la prise de décision et qu'il y a une certaine cohérence. Est-ce qu'il y a cette comparaison, ce processus de comparaison entre les différents fournisseurs, est-ce que ça a été fait? Et quelles sont les raisons véritables de la sélection d'un fournisseur par rapport aux autres? Est-ce que c'est documenté? Okay. On va analyser les mesures prises pour la gestion des fournisseurs. La gestion des fournisseurs, que ce soit avant, pendant ou après la réalisation des prestations. Est-ce qu'il y a des process en place pour évaluer régulièrement les performances des fournisseurs? Est-ce qu'il y a des actions correctives qui sont prises lorsqu'il y a des non-conformités, lorsqu'il y a des performances insatisfaisantes et comment ça se passe concrètement? Toutes ces notions-là et davantage sont abordées dans la certification en supply chain que j'ai présentée tout à l'heure, mais il est important de comprendre que l'audit de ce processus nécessite, n'est-ce pas, d'être méticuleux et de comprendre d'abord l'ensemble du process, comprendre ses risques, comprendre les contrôles qui existent, évaluer les contrôles qui existent et donc sur cette base déterminer, n'est-ce pas, les points ou bien les tests à faire et c'est à cette étape qu'on est. Une autre phase de test, c'est l'analyse des dossiers des fournisseurs sélectionnés. Okay. Donc, on est toujours dans notre processus d'acquisition, de gestion des fournisseurs. Et l'analyse des dossiers des fournisseurs sélectionnés, c'est une étape importante. Parce qu'il faut là évaluer la conformité et la performance même du fournisseur. Donc, vous allez collecter les dossiers des fournisseurs. Notamment, si vous avez les archives et tout, vous allez demander qu'on vous fournisse ces dossiers. Et dans ces dossiers, normalement, dans chaque dossier, vous devez retrouver les contrats, vous allez retrouver les certificats, vous allez retrouver les évaluations de performance, si c'est fait. Vous allez retrouver même les différentes communications que l'entreprise a déjà eues avec les fournisseurs. Et vous allez analyser dans les contrats. Vous pouvez prendre chaque contrat et examiner de manière attentive tous les contrats signés avec tel ou tel fournisseur, ou bien avec tous les fournisseurs présents dans votre échantillon. On va vérifier si les termes et les conditions sont clairement définis, notamment concernant les prix, les quantités, les délais, et les garanties même, et même les clauses de résiliation telles qu'on a vu tout à l'heure. On va évaluer la conformité réglementaire. Donc, les fournisseurs qu'on a sélectionnés, on vérifie s'ils sont conformes aux réglementations en vigueur. Tout dépend des secteurs d'activité et des exigences réglementaires qui existent. Est-ce que dans votre domaine d'activité, ce fournisseur est conforme? Okay. Il y a des domaines d'activité qui exigent que le fournisseur ait certaines certifications de qualité. Et certaines licences, et certains agréments même, et certaines autorisations, et même des permis. Et vous allez vous intéresser également à l'analyse aux évaluations de performance. Donc, l'auditeur va évaluer les évaluations de performance des fournisseurs qui sont réalisées par
pas l'entreprise. En fait, il s'agit de vérifier s'il y a des critères d'évaluation qui sont clairs, qui sont pertinents, et si les résultats de ces évaluations sont consignés de manière appropriée. Et les rapports d'audit, vérifier les rapports d'audit. Est-ce qu'il y a des rapports d'audit portant sur ce fournisseur, sur ces fournisseurs? Est-ce que c'est disponible? On va analyser ces rapports d'audit-là. On va évaluer la conformité et la performance des fournisseurs dans ces rapports d'audit et sur cette base, voir est-ce qu'il y a des actions correctives qui ont été identifiées suite à ces audits et si elles ont été traitées de manière adéquate, ces actions correctives. La comparaison des fournisseurs. On va comparer ou rapprocher les dossiers des différents fournisseurs sélectionnés, notamment dans le cadre d'un marché, par exemple, ou bien de manière transversale sur plusieurs marchés, pour voir est-ce qu'il y a des différences significatives. Est-ce qu'il y a des écarts en termes de performance? Okay. Est-ce qu'il y a des écarts au niveau des conditions contractuelles? Est-ce que d'un marché à l'autre, les exigences en termes de certification, notamment pour les mêmes produits, est-ce que ça varie? Et vous allez analyser également les communications qui sont faites. Les communications entre l'entreprise et les fournisseurs. Parce que là, il faut voir, est-ce que la clarté, la pertinence des échanges est au rendez-vous? Comment est-ce que les problèmes sont gérés? Comment est-ce que les litiges éventuels sont gérés, sont même évités? Un autre élément, c'est de tester les contrats avec les fournisseurs. Évaluer les contrats avec les fournisseurs. Donc, l'auditeur va donc collecter les contrats. Vous demandez à l'entreprise, comme on a vu tout à l'heure, de vous donner le contrat conclu avec voilà, les fournisseurs que vous avez échantillonnés. Ça peut être des contrats d'approvisionnement, des contrats de services, des contrats cadres ou des contrats de sous-traitance multiples. Bon, ici, on ne va pas aborder comment procéder à l'échantillonnage représentatif, mais je suppose que vous savez, ou bien dans un autre webinaire Audit Connect, on va revenir là-dessus. Donc, il faut analyser la structure du contrat, okay, la structure du contrat, pour comprendre sa portée en termes de périmètre, c'est les clauses, les conditions et les parties même impliquées, les obligations de chaque partie telles que prévues dans le contrat. Hein? Les produits qu'il faut livrer, les détails des produits, les services, les conditions de paiement, etc., etc., les délais de livraison, les clauses de résiliation telles qu'on l'a vu. Toutes les exigences contractuelles doivent être analysées. Et on va voir si ces exigences varient d'une prestation à l'autre dans la même catégorie. On va vérifier la conformité juridique. Est-ce que les contrats sont conformes aux exigences légales, aux exigences réglementaires, aux bonnes pratiques même en termes de contrat? Okay? Parce que c'est très important en termes de risque que les contrats respectent les lois du pays dans lequel vous êtes. Là, on a près de 13 pays représentés. Est-ce que les contrats sont conformes aux lois de votre pays? Est-ce que les contrats sont conformes aux politiques internes même de votre entreprise ou aux normes même de votre secteur d'activité? Et on va évaluer les termes et les conditions qui sont prévues là-dedans. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est équitable? Parce que l'objectif n'est pas de flouer quelqu'un. Est-ce que c'est même pertinent, ces différents termes? Est-ce qu'il y a des termes qui sont mis dans les contrats à des fins déguisées? Et on va vérifier les obligations, les responsabilités de chaque partie. Est-ce que c'est défini de manière précise et de manière équilibrée? On va également vérifier les clauses de garantie, telles qu'on l'a vu, responsabilité. Est-ce qu'il y a ces clauses-là dans le contrat? Est-ce qu'il y a même des clauses d'indemnisation? Ça peut exister en fonction des contrats pour protéger les intérêts de votre entreprise en cas de non-conformité, en cas de défaut, en cas de dommage. Et on va analyser les conditions de résiliation.
Dans quel cas est-ce que le contrat peut être résilié, okay, par l'une ou l'autre partie, hein? Est-ce que c'est clairement défini d'abord dans le contrat? Ou bien est-ce qu'il y a des mesures de transition qui sont prévues en cas de résiliation? Ça peut exister. Et on va vérifier les conditions de paiement qui sont stipulées dans le contrat en termes de modalités, en termes d'échéance, en termes de pénalités éventuelles en cas de retard de paiement, y compris de votre entreprise. Donc, on va analyser les obligations contractuelles, on l'a déjà dit. Est-ce que ces obligations-là même sont en cohérence ou bien en ligne avec les besoins de l'entreprise? Parce qu'il peut y avoir des contrats qui sont en déphasage total avec les besoins réels de l'entreprise, en termes de délai de livraison, de quantité même, ou de spécifications de qualité et autres. Est-ce que c'est bien défini et est-ce que ça correspond aux exigences de votre entreprise? Et l'autre point, c'est les modifications contractuelles. Comment est-ce que les contrats sont gérés? Quelles sont les procédures? Est-ce qu'il y a des approbations? Combien de personnes approuvent? Est-ce qu'il y a des communications avec les fournisseurs tels qu'on l'a vu? Est-ce que les contrats prévoient des communications à différents niveaux de l'exécution de la prestation? Est-ce qu'il y a eu des changements dans les contrats? Est-ce qu'il y a des fraudeurs dans les entreprises qui signent des contrats et après s'engagent dans des avenants qui n'ont ni de tête ni de queue? Est-ce que les changements sont bien documentés? Okay? Et est-ce que toutes les parties concernées par les changements sont informées et en temps opportun? Qui est habilité même d'avoir à signer les avenants? Vous allez vérifier également la conformité des contrats aux politiques et aux lois en vigueur. On l'a déjà dit à suffisance. Donc, vous avez déjà vos contrats. Vous allez prendre les politiques internes. Et vous allez vous familiariser avec les politiques internes de l'entreprise concernant les achats. Vous allez les maîtriser. Concernant les fournisseurs, concernant les contrats. Parce que généralement, il y a une politique dans les grandes entreprises. Il y a des politiques sur la sélection des fournisseurs, sur les conditions d'achat, sur les exigences de conformité, etc. Il faut les prendre, il faut les maîtriser. Et maintenant, analyser les exigences légales. Est-ce qu'il y a des lois, des réglementations, des normes en vigueur dans votre secteur d'activité? Maintenant, rapprocher toutes ces exigences avec les contrats. Est-ce que les contrats respectent ces exigences légales, réglementaires, notamment en matière de santé, sécurité, qualité, environnement et autres? Donc, est-ce que les contrats ont été bien rédigés conformément à ces exigences légales et en termes de politique interne? Maintenant, est-ce que le contrat est implémenté tel que prévu, à conformité contractuelle? Est-ce que les contrats sont implémentés tels que prévu? Est-ce qu'il y a des critères et des clauses, n'est-ce pas, standardisées dans les contrats en termes d'exigence de documentation? Parce que réaliser une prestation, c'est une chose, mais être capable de démontrer qu'on l'a réalisée, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a de la documentation qui doit être fournie? Est-ce qu'il y a des étapes de réception qui doivent être approuvées? Et les conditions de paiement, est-ce que ça a été respecté? Parce que l'entreprise doit être satisfaite, mais également maintenir de bonnes relations avec le fournisseur en le payant d'abord, en respectant ses obligations. Okay? Est-ce qu'il y a eu des cas de litige avec ses fournisseurs? Comment ça a été résolu? Analyser les causes. Okay? Les causes des contrats, enfin, les risques. Il faut analyser les risques qui sont survenus. Quelles étaient les causes? Notamment en termes de manque de conformité aux exigences légales, aux politiques internes, est-ce qu'on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu ces non-conformités? Okay? Il faut analyser les causes des problèmes, analyser les clauses même des contrats, notamment les clauses de confidentialité, les clauses de propriété intellectuelle, les clauses de non-concurrence, comment on les retrouve dans différents contrats. Est-ce que toutes ces clauses-là sont conformes aux politiques et aux lois applicables qu'on a pris la peine d'identifier?
Donc, on va vérifier les obligations de conformité des fournisseurs. Est-ce que les contrats et les différentes clauses, les exigences de conformité imposées aux fournisseurs sont respectées? Okay. On a dit tout à l'heure qu'on va vérifier est-ce qu'il a les licences qu'il faut, les assurances qu'il faut, les normes de travail qu'il faut, etc., etc. Est-ce que tous ces contrôles sont exécutés au quotidien? Et vous allez vérifier également les mécanismes de contrôle et de suivi. Regardez les dispositions du contrat. Est-ce que c'est prévu le suivi? Qu'est-ce qui est prévu au niveau du suivi, au contrôle, au niveau du contrôle et du suivi? Est-ce que les contrats prévoient même des audits? Est-ce que les contrats prévoient des évaluations de conformité? Si oui, à quelle périodicité? On va vérifier les clauses de résiliation, on l'a déjà fait. On va vérifier les responsabilités et les obligations contractuelles. On l'a déjà dit. Okay. Est-ce que tout cela est respecté au quotidien par l'entreprise? L'autre point, c'est analyser les clauses de performance et de qualité. On va prendre l'exemple de l'industrie de production des pâtes alimentaires de tout à l'heure. Pour dire que l'auditeur, une fois qu'il a collecté les contrats conclus avec les fournisseurs de matières premières, d'ingrédients ou des services liés à la production des pâtes alimentaires, il va analyser ces contrats en regardant les clauses concernant la performance attendue des fournisseurs. Et là, est-ce qu'il y a des KPI? Est-ce qu'il y a des indicateurs de performance clés, notamment en termes de conformité aux exigences techniques ou aux spécifications techniques, au délai de livraison, au taux de rejet, etc., etc. On va analyser les clauses de performance. Et ensuite, par exemple, une clause de performance peut dire que les fournisseurs doivent maintenir un taux de conformité des ingrédients de 95% par rapport aux spécifications techniques convenues, par exemple. Ça veut dire que le fournisseur a une marge de manœuvre de 5%. Le contrat exige 95%. Okay? Donc, il faut analyser les clauses, vérifier les critères de qualité. Il faut vérifier si dans les contrats, il y a des critères de qualité qui sont détaillés pour les matières premières, pour les ingrédients fournis. Par exemple, les critères de qualité, ça peut concerner la composition de ces matières premières, la pureté de ces matières premières, la qualité de ces matières premières, okay? Les certifications obtenues dans le domaine alimentaire pour produire ces matières premières, etc., etc. Donc, dans un contrat, on peut spécifier que les fournisseurs doivent fournir ou bien livrer des farines de blé conformes aux normes de qualité ISO, quoi, 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 avec une teneur en humidité maximale de 14%, 15%, ou un gluten de qualité supérieure. Là, on est dans les pâtes alimentaires. Et là, vérification des procédures d'échantillonnage. Attendez un instant. Okay. Des procédures d'échantillonnage et de contrôle qualité. Est-ce que dans les contrats, les procédures d'échantillonnage, d'analyse, de contrôle qualité pour les matières premières ou les ingrédients sont fournis par les prestataires ou les fournisseurs? Parce qu'avant la livraison, il peut vous envoyer des échantillons. Vous devez analyser, sortir les résultats avant la livraison finale, la livraison massive. Okay? Est-ce que ce process est fait? Et est-ce qu'une vérification est faite dès que la livraison arrive pour s'assurer que cette livraison est conforme à l'échantillon qui a été analysé? Vérifiez les mesures correctives et les pénalités. Est-ce qu'il y a des mesures correctives qui sont définies dans le contrat en cas de non-conformité et de performance insatisfaisante?
Est-ce qu'il y a des pénalités financières, par exemple, qui sont prévues lorsque le prestataire ne respecte pas ses engagements contractuels, et même vous en tant qu'entreprise? Okay. Par exemple, dans un contrat, on peut exiger que les fournisseurs prennent des mesures correctives dans un délai spécifié en cas de non-conformité. Et même qu'une pénalité financière de tel montant peut être appliquée en cas de récidive. Okay. Vérification des obligations de communication. Est-ce que dans les contrats, il y a des obligations de communication entre le fournisseur et l'entreprise? Surtout en cas de problème ou de manque de performance. On peut par exemple prévoir des rapports périodiques ou des notifications en cas de non-conformité, etc., etc. On peut dire par exemple que les fournisseurs doivent informer immédiatement l'entreprise dès qu'il y a une détection de contaminants dans les matières premières fournies, par exemple. Okay. Donc l'auditeur doit analyser les clauses de performance et de qualité pour s'assurer qu'elles sont claires, qu'elles sont mesurables, et qu'elles permettent de garantir les niveaux de qualité élevés des matières premières et des ingrédients qui sont utilisés dans la production des pâtes alimentaires. C'est un exemple. Et ensuite, vérifier est-ce que ces clauses-là sont suivies? Est-ce que ces clauses sont appliquées de manière adéquate? Okay. Et pour parvenir à cette conclusion, il faut examiner un certain nombre de documents, les rapports de contrôle qualité, les différents enregistrements et tout. Et les constats que vous allez faire, ou bien les constats ou les conclusions auxquelles vous allez parvenir, vont permettre de déterminer si les contrats sont solides et si les fournisseurs répondent véritablement aux exigences de qualité et de performance définies par l'entreprise. La dernière étape de l'audit que j'ai prévue, quoi c'est la dernière? Oui. La dernière étape, c'est l'évaluation du suivi des performances des fournisseurs. Ça, c'est la dernière phase du processus, le suivi et l'amélioration. Donc, évaluation du suivi des performances des fournisseurs. On doit vérifier, par exemple, la collecte et l'analyse des données de performance qui est faite par votre entreprise. La collecte des données de performance. On va demander à l'entreprise de fournir aux auditeurs, par exemple, les données de performance des fournisseurs, notamment les rapports d'évaluation, les mesures de conformité, les rapports qualité, okay, les vérifications qui ont été faites des délais de livraison, les plaintes même des clients et autres. Vérifiez également la collecte des données. Est-ce que l'entreprise a mis en place un système ou un processus systématique de collecte des données de performance des fournisseurs? Est-ce que ces données sont collectées de manière régulière, de manière précise, de manière cohérente? Et on va analyser également les KPI. Est-ce que c'est pertinent? Les indicateurs de performance qui sont utilisés pour évaluer les fournisseurs au quotidien. Est-ce que ces indicateurs sont performants, sont pertinents pour mesurer les performances clés des fournisseurs, notamment en termes de qualité des produits, en termes de délai, en termes de satisfaction client ou en d'autres termes qui répondent aux besoins de l'entreprise? On va également vérifier la qualité des données, c'est-à-dire la fiabilité ou la validité des données qui sont collectées et traitées lors de l'évaluation des performances que l'entreprise vous donne. On va analyser les méthodes utilisées pour collecter ces données et évaluer la précision et l'intégrité des informations fournies, parce qu'elles peuvent également être manipulées ou être truffées d'erreurs. On va analyser les tendances et les écarts. OK? On a les données de performance des fournisseurs sur une période donnée.
On analyse pour identifier les tendances, les écarts. Et c'est sur cette base qu'on peut voir comment est-ce qu'on classe les fournisseurs en termes de performance. Est-ce qu'il y a des analyses qui sont effectuées pour identifier les variations significatives et les problèmes potentiels dans la performance des fournisseurs? Les analyses de tendance, par exemple. Okay. On va comparer la comparaison avec les critères de performance. Donc, comparer les données de performance des fournisseurs aux critères de performance établis, c'est-à-dire les données qui sont collectées lors des évaluations de performance par l'entreprise, on les compare avec les critères de performance établis. Et là, on vérifie si les fournisseurs respectent les exigences et les objectifs fixés par l'entreprise. Les actions correctives. Donc, en cas de performance insatisfaisante, en cas de non-conformité des fournisseurs, quelles sont les actions correctives qui sont prises? Si des mesures ont été prises pour résoudre les problèmes identifiés, on doit pouvoir savoir. Ou bien tous les problèmes identifiés restent pendants, un peu comme les conclusions des auditeurs et les recommandations des auditeurs qui sont faites et qui ne connaissent jamais de suite. Et tout le monde est calme. On doit analyser la communication des résultats. Est-ce que les évaluations de performance des fournisseurs qui sont faites, est-ce que les résultats sont communiqués de manière appropriée aux parties concernées, notamment le responsable des achats, les gars de la qualité, les gars de la production, etc., etc. Et on va vérifier également les améliorations des performances. C'est-à-dire qu'on analyse si les fournisseurs ont montré des améliorations continues de leur performance sur le temps, les tendances. Est-ce qu'ils mettent en place les points d'amélioration, les actions d'amélioration suite aux évaluations de performance faites par l'entreprise? On va également, sur ce point-là, évaluer l'efficacité des mécanismes de rétroaction, on l'a déjà dit, hein, et de gestion des problèmes. Donc, collecte d'informations, on demande à l'entreprise de nous fournir des documents relatifs aux mécanismes de rétroaction, de gestion des problèmes qui est mis en place. Okay? Ça peut être quoi comme mécanisme? Le fait d'organiser des réunions, ou bien même d'enregistrer les réunions, ou d'autres procédures de gestion des problèmes avec le fournisseur, ou des rapports d'incidents. Et on va analyser le processus de rétroaction. Donc, évaluer comment est-ce que l'entreprise recueille les retours d'informations concernant les performances des fournisseurs tels qu'on l'a vu. On a dit, s'il y a des systèmes d'évaluation des performances, tant mieux. Est-ce que c'est formel? Et ce processus d'évaluation des performances est composé de quels tests? Est-ce qu'il y a des enquêtes, des questionnaires, des évaluations, des sondages? Je veux dire des questionnaires de satisfaction, des sondages, des réunions de revue des performances qui sont organisées. Donc, on doit vérifier tout cela et vérifier également la documentation des problèmes. Comment est-ce qu'on enregistre les problèmes survenus avec les fournisseurs? Est-ce que c'est bien documenté? Est-ce qu'on décrit vraiment le problème? Est-ce qu'on décrit qui est responsable de ce problème, les parties impliquées, les dates auxquelles ces problèmes sont survenus et les mesures correctives qui ont été prises à la suite peut-être des réunions qui se sont tenues. Est-ce que ces mesures, on vérifie, on s'assure que ça a été mis en œuvre? On vérifie également les délais de résolution. Okay? Est-ce que l'entreprise a des délais définis pour la résolution des problèmes liés aux performances des fournisseurs? Est-ce que ces délais sont respectés? Ou est-ce que des actions correctives sont mises en œuvre dans les délais impartis? On va analyser également les mesures correctives. Les mesures correctives qui sont prises, hein, en cas de problème de performance des fournisseurs. Est-ce que ces mesures sont appropriées? Est-ce que ces mesures sont efficaces? Est-ce que ces mesures sont alignées avec les objectifs de l'entreprise? Et vérifier les actions préventives. Est-ce que l'entreprise met en œuvre des actions préventives pour éviter même la récurrence des problèmes avec les fournisseurs.
Est-ce qu'à la suite des problèmes, des procédures, des formations, des améliorations des process sont mises en place pour prévenir des problèmes futurs? Et on va évaluer l'efficacité de ces actions-là, c'est-à-dire les actions correctives, les actions préventives qui ont été mises en place et qui sont peut-être efficaces pour améliorer les performances des fournisseurs. Parce que plus un problème revient et revient, plus cela veut dire que les actions correctives qui ont été mises en place ne sont pas efficaces. Donc, on va vérifier si les problèmes récurrents ont été résolus et si les performances globales se sont améliorées grâce aux mesures mises en œuvre. Et comme on l'a dit, on va analyser les communications. Comment est-ce que l'entreprise communique avec les fournisseurs concernant les problèmes? Concernant les actions prises, on va vérifier si les informations sont partagées de manière transparente, si les fournisseurs sont consultés ou bien impliqués dans la recherche des solutions. Okay. Et le suivi, est-ce que votre entreprise a des enregistrements de suivi pour documenter les actions prises, les résultats obtenus, les améliorations apportées? Est-ce que la manière dont on documente le suivi, là, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est utilisé, n'est-ce pas, pour évaluer de manière continue les performances des fournisseurs? Okay? C'est également l'un des process très importants à évaluer et le dernier process de la phase que nous avons décrit tout à l'heure. Donc voilà la démarche qu'il faut prendre, n'est-ce pas, lorsque vous voulez évaluer le processus qui fait l'objet de notre webinaire de ce jour. Et on va partir de la compréhension même des process, ou bien du process. Ensuite, les différentes étapes, on va cartographier le process, on va identifier les risques liés à chaque étape du process. Après, on va évaluer ces risques-là, pour chaque étape du process. On va évaluer leur criticité. Okay? Après avoir identifié les contrôles internes existants, etc., etc., évaluer les contrôles internes existants avec leurs lacunes et tout. On détermine maintenant quels sont les risques à auditer. Quels sont les risques à auditer? Et vous avez les différents tests qui peuvent être faits. N'est-ce pas, pour apprécier si tous les risques les plus importants dans le processus sont maîtrisés et quel est leur niveau de maîtrise et quelles recommandations est-ce que l'auditeur peut faire, n'est-ce pas, pour s'assurer que l'opération ou bien le processus est désormais sous contrôle. Donc, pour sortir, je rappelle ces certifications que vous avez à l'écran. J'ai dit tout à l'heure, pour les besoins de formation et certification, le service client de IPE répond à ce numéro. Donc, comme je l'ai dit, c'est le premier webinaire qui annonce une série de webinaires pour le deuxième semestre. C'est vrai qu'on a passé une petite période sans animer de webinaire et beaucoup de personnes en redemandaient. Et parfois, nous critiquons même parce que quand vous commencez à donner et après vous vous arrêtez, les gens commencent à dire, voilà, à se fâcher même. Mais nous avons pris des mesures donc, pour que ce soit fait. Parce que l'objectif, au fond, c'est vraiment d'améliorer les pratiques des métiers de contrôle en Afrique pour que les entreprises africaines, surtout, et même toutes les entreprises sur le sol africain, puissent atteindre le niveau de pérennité qu'on voit ailleurs. On a des entreprises qui font 100 ans, 200 ans, et on se demande pourquoi est-ce que chez nous, voilà, dès la mort, par exemple, du promoteur, la plupart des entreprises s'écroulent. Et cela passe par la formation continue. La formation continue. Il faut se former. Encore plus, les acteurs des métiers de contrôle ou bien le personnel des métiers de contrôle,
comme les auditeurs, les contrôleurs, les gars de la conformité, la qualité, bref, tous ceux qui occupent des fonctions de contrôle et qui sont censés être des modèles ou qui sont censés aller contrôler ou vérifier si les risques sont maîtrisés dans les activités opérationnelles. Personne n'échappe à l'intérêt de se faire former et de développer de manière continue ses compétences. Alors, s'il y a un commentaire dans le chat, je peux lire rapidement. Comment vous avez trouvé la présentation? Est-ce que ça vous a édifié? Et surtout dans le groupe WhatsApp, comme je l'ai dit, les questions sont répondues dans le groupe Audit Connect. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, dans le chat, on va vous envoyer le lien pour rejoindre le réseau. Mais rassurez-vous que vous remplissez les critères, c'est-à-dire que vous êtes un professionnel de l'audit, du risque, du contrôle, de la conformité en Afrique. Je dis en Afrique, c'est vrai que j'ai vu un participant de la Corée du Sud qui s'est inscrit à ce webinaire, mais le réseau Audit Connect est spécialement conçu pour les professionnels des métiers de contrôle en Afrique. Donc, plus tard, on pourra élargir, mais pour l'instant, c'est ça. Voilà, merci pour votre participation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le réseau Audit Connect? Si c'est le cas, je crois que dans votre formulaire d'inscription même, le lien a été prévu, à moins que je ne me trompe. Mais on se voit donc dans le réseau pour échanger si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, si vous avez trouvé ce webinaire intéressant pour vous. Il serait intéressant d'en parler dans le groupe. Parce que l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes et que nous touchions le maximum de professionnels à l'échelle du continent pour qu'ils améliorent leur performance et leur employabilité même au sein de leurs différents secteurs d'activité. OK? Donc, je vois une question. Est-ce que vous avez une représentation pour le Burkina pour la formation CIE? Donc, Abdul, pour la formation CIE, c'est vrai que tu peux contacter le service client, mais nous formons les auditeurs à l'échelle du continent. Et la formation se déroule en ligne. On a des candidats dans plusieurs pays. Donc, si tu as une connexion Internet, si tu as pu suivre ce webinaire jusqu'au bout, ça veut dire que tu peux faire une formation à distance. Okay? La différence avec les formations CIE, c'est que vous avez la possibilité d'ouvrir le micro et de vous exprimer. Mais sinon, ça se passe presque de la même façon que ce que vous avez vécu aujourd'hui, à quelques exceptions près. Bonsoir, le lien pour intégrer Audit Connect, s'il vous plaît. Je ne sais pas si Linda est là ou Eric, s'il te plaît. Si tu peux poster le lien. Pour rejoindre le groupe Audit Connect dans le chat avant qu'on ne se sépare, pour que ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui demandent puissent rejoindre le groupe en supposant que c'est des personnes qui occupent des fonctions de contrôle. Bonsoir, le lien pour intégrer le groupe, je ne suis pas dans le réseau, oui. Pour moi, le webinaire était très intéressant, quoique je sois arrivé en retard. OK. Comment se faire suivre pour le CIE? Donc, rejoignez le groupe Audit Connect et à partir de là, je pense que vous aurez toutes les informations. Parce que dans le réseau Audit Connect, dès que vous allez poser une question comme celle-là concernant le CIE, notre service client va vous prendre en charge inbox pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Mais les formations se déroulent en ligne. Et la préparation complète se déroule à distance. Et l'examen également se déroule en ligne, à distance, à partir même du confort de votre maison ou de votre bureau. Je suis arrivé en retard. Est-ce qu'il est possible d'avoir ce support de formation? D'accord. Donc, Gilbert, vous aurez l'enregistrement. Exceptionnellement pour cette année, on met à votre disposition les enregistrements. Mais à partir de l'année prochaine, ceux qui n'ont pas participé en direct, voilà, auront perdu.
les enregistrements, c'est uniquement pour cette année. On va vous envoyer l'enregistrement. Ce sera mis sur YouTube. À partir de l'année prochaine, les enregistrements des webinaires seront réservés et mis dans les comptes des candidats sur les plateformes réservées. S'il vous plaît, peut-on dire que l'audit fournisseur est aussi pareil à l'audit achat? Estelle, l'audit fournisseur et l'audit des achats, en fait, le fournisseur intervient dans le processus des achats. Donc, vous ne pouvez pas auditer les achats, à moins d'auditer les achats comme fonction. Parce que auditer la fonction achat, c'est une chose. Auditer le processus achat, c'est autre chose et vous ne pouvez pas le faire sans vous intéresser aux fournisseurs et aux critères de sélection des fournisseurs. OK? OK, donc, les autres questions, vous les postez dans le groupe.